Oui, bonjour, bienvenue à Tarot Coco Plus. On va faire le tirage pour le pouf numéro 11. Donc, ça, c'est toujours une pensée, une énergie qu'on peut avoir de besoin pour faire notre journée, notre semaine. Ça peut être aussi pour une question ou autre. Et j'ai décidé de faire cette fois-ci avec deux cartes, donc de paquets différents. Donc, on pourrait aller voir. Vous pouvez voir peut-être la définition pour chacune ou chaque carte pour deux situations différentes. Ou je vais donner une petite définition qui combine un petit peu les deux, qui peut peut-être vous aider à voir un petit peu plus large sur ce que vous avez besoin. Donc, on va aller brasser le premier. J'espère que ça va bien. Je remercie ceux qui se sont abonnés. Si jamais vous voulez vous abonner, faire un petit like ou partager, allez-y. Donc, ceux-là, je vais en prendre une au hasard parce que vu que on a les deux côtés de la carte, on va aller en prendre une. Celle-là ici. Voilà. OK, on a réflexion. Donc, on a quelque chose qu'il faut réfléchir. On va aller voir la deuxième carte. OK, on va prendre la première. On a prié. OK, les deux cartes s'enlignent un petit peu, hein, dans le sens que pour prier, on a besoin d'un petit peu de solitude. OK? Ça peut être prier, ça peut être méditation aussi. Moi, je le vois comme méditation. Ça dépend de ce que vous préférez. Et la réflexion, c'est sûr qu'on a un temps consacré aussi seul pour réfléchir. Donc, les deux, c'est côté solitaire. Donc, on a peut-être quelque chose. Qu'il faut se concentrer présentement sur nous-mêmes ou seuls ou éviter l'extérieur ou les commentaires extérieurs pour voir plus clair sur notre situation ou les situations. Et on va aller lire réflexion parce que lui, on a une petite définition, donc il peut aider. Gardez les yeux ouverts. La joie réside en de petits endroits. Ça, c'est très vrai. Donc, des fois, on n'est pas obligé d'être d'un endroit féerique ou d'un endroit très loin. On peut être très bien dans notre environnement habituel. C'est juste qu'on a besoin de réfléchir où est-ce qu'on va. Peut-être aussi faire de la méditation qui peut aider ou prier si c'est votre cas. Donc, ces deux cartes vraiment, vraiment qui nous incitent à être à l'intérieur de nous-mêmes, puis se donner nous-mêmes les réponses. Donc, je laisse réfléchir et regarder les cartes. Et si c'est vraiment pour deux choses différentes. Une se rejoint, mais on peut quand même dire que une, c'est réfléchir à nos étapes et l'autre, c'est peut-être juste se ressourcer avec des prières ou de la méditation ou du yoga ou autre. Donc, c'était mon pouf numéro 11 et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et c'était à Tarot Coco Plus.